Dimitri Gilloire. L'information n'attend pas. Mais que cette soirée a été dure, désillusion, frustration, déception, c'était un cauchemar. C'est la pire soirée, ça ressemble à France-Bulgarie 1993, qui avait d'ailleurs été une déflagration et qui avait mis par terre tout le football français. T'es nul. L'équipe de France est... C'est une bande de collégiens plutôt mal éduqués, plutôt mal embouchés, plutôt arrogants. Il faut changer l'équipe. Le futur entraîneur va venir avec ses idées, il va venir en mettant des joueurs plus jeunes, il y a des joueurs qui vont disparaître là. Il sélectionne, il décide. Malouda n'a pas voulu jouer au rôle qu'il lui imposait le sélectionneur. Et il a eu raison. Non, à mon avis, il fallait le sortir et ne plus le faire jouer. Comment c'est meilleur. Voilà, hors de forme. Un joueur qui est hors de forme, il peut donner que 40-50% de ce qu'il est capable de faire. C'était complètement prévisible. Alors évidemment, il ne faut pas non plus diaboliser Raymond Domenech, mais je crois que la fédération a commis une grosse faute. Ouais, les gars, il y a une super ambiance. Vous allez voir, on va voir ce qu'on va voir. Je crois en cette équipe, mais au moins bouge ton cul sur le terrain quand même. Une équipe nullissime, dirigée par un sélectionneur terriblement paranoïaque. J'ai l'impression que ce sont un peu des grands-pères embitouflés dans leur couverture, dans le froid, une équipe glacée. En fait, le vrai problème qu'on perçoit, c'est qu'ils sont juste bêtes. Ah, j'aime ton style, Fabrice. Une petite réaction. Ouais, j'y croyais. J'avais confiance. J'ai confiance en cette équipe. Je pense qu'elle a un potentiel. Là.